Salut, salut à tous, IVRT Channel pour vous commenter cette vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On a fait un panel de GR4, VUS GR3, c'est un peu comme, si vous voulez, les 24 heures du Mans. Et donc on va voir comment ça va se passer. Ça y est, c'est parti. Alors, pour le moment, nous avons Fabio qui va partir en tête. Ça y est, c'est parti pour Fabio, suivi de Catman, Madras, Loul, Toul, Heis Aza, Alain, Thierry. Donc c'est GR4 contre GR3 avec des puissances pour chacune des deux catégories. Et naturellement, il faudra pas se fier au classement. Hein. Normalement, les GR3 devraient être devant les GR4. Mais enfin, c'est pour voir un petit peu ce que ça donne en course. Moi, c'est sûr que c'est les GR3 qui doivent faire attention quand elles doublent. Les GR4, bon ben, elles font leur course. Donc la Catman est passée en tête, suivie de Fabio. Madras, 3e. Donc Nico avec sa Porsche. Loul avec sa Lexus. Toujours fidèle à ça, toujours avec sa Toyota Rose. Alors bien sûr, c'est un petit nouveau à ça qui vient assez régulièrement nous voir maintenant, d'ailleurs qui court bien hein. Ensuite nous avons Thierry, le 2e suisse que vous connaissez tous, Tagayer et tout, un petit peu le Macron du plateau. Je rigole, il faut bien une pointe d'humour. Ensuite nous avons Eric avec la Beetle, Fabio qui a beaucoup rétrogradé, qui se retrouve 7e, Piro avec son Aston Martin, il va bientôt jouer aux dames. Piro Rod qui revient un petit peu vers nous là, après une période où on l'a pas vu beaucoup, il a sûrement eu beaucoup de travail. Romain avec sa Viper, Alain avec sa 458 Italia, et ça continue. Donc le 12e c'est Diabolo avec sa GTR, Fabrice avec la Mégane GR4, Fred avec la BM, et Steph. Alors Steph Nascar, je vais m'arrêter un petit coup sur lui, c'est un pilote, je pense, qui aimerait bien intégrer la team, puis il faut y bien faire quelques courses avec nous. Alors on revient au devant de la course, 2e tour, toujours Catman en tête avec la RCZ, suivi de Nico avec la Porsche, Assa 3e avec la FT1, ça commence à se décanter un petit peu. Alors on va regarder à ça ton fameux pif paf là dont tu nous parles tout le temps en espérant que tu te plantes pas là. Eh ben bien pris, c'est bien à ça, nickel. Donc Eric Thierry juste derrière qui a touché un petit peu. On va se mettre à l'intérieur de Thierry. Un petit coup pour voir ce qui se passe depuis l'intérieur. Les vitesses passent à fond. Et là, il y a déjà un écart. Alors là, il y a déjà un écart. Et puis, je m'aperçois que Thierry vient d'améliorer son temps. Donc, on va passer sur Loul. Loul avec sa Lexus, fidèle au poste. Oh là là, Piro qui prend un peu large, mais qui s'est bien récupéré. Là. Il est à l'attaque, Piro. Là. Oh oui, il est très en colère, apparemment. Il a passé Fabio, là. Il est en train de s'en aller. Rod 9e, toujours Romain. Romain qui suit un peu plus loin. Alain qui a du mal avec la Ferrari. Diabolo avec sa GTR qui va se faire sûrement remonter par Fabrice parce que je pense que la Mégane est quand même plus légère. On va aller à l'intérieur de la Mégane.
Voilà, Fabrice. Voyons voir sa trajectoire. C'est pas souvent qu'on a avec Fabrice. On voit dans ce rétro qu'il n'y a personne. Personne qui le suit. Normalement, c'est Fred, mais il est très loin. Alors, on va regarder là, le virage avec Fabrice. Comment ça se passe? Attention, Diabolo. Eh oui, Diabolo. Et voilà, c'est passé. Bien joué, Fabrice. On va te regarder passer le pif-paf de l'intérieur. Ouais, pas stressé, rien, nickel. Tu sais que t'es filmé, c'est nickel. Allez, on revient sur Diabolo avec sa GTR. Fred. Oh, Fred, quelle pénalité. Avec la BM GT Speed en plus, je crois bien. Donc c'est l'ancienne team. Non, c'est IVRT. Non, c'est GT Speed. Ensuite, Steph qui suit avec la Focus. Non, avec la Sirocco, je veux dire. Ah, je me plante. Désolé. Ensuite, nous avons donc Nico qui est passé en tête. Dans le quatrième tour. Catman. Ah ça, on va regarder. Ah ça, justement, je voulais tomber sur toi. Le pif-paf. De l'intérieur. Ouais, 180. Hein. 180. Eric, toujours. Avec sa New Beetle qui se rapproche d'Assa et Thierry qui ne lâche rien. Avec la Porsche. Très serré les 5 premiers. Loul un petit peu décroché. 6ème. Pierrot qui essaye de revenir mais qui a du mal. Voilà. On entend le bruit. C'est un super bruit. Allez, la Viper de Romain. Alain avec sa Ferrari aussi, un beau bruit. Rod qui revient. Et c'est Fabrice qui revient sur Rod. Ah oui, il a fait des corps avec Diabolo. Steph qui a passé Fred et Fred qui se retrouve dernier. Oh là là, Fred il a dû taper, je sais pas ce qu'il a fait, mais hop, il prend large, il prend très très large. Allez, Nico, 5ème tour, il y a encore du carburant, nickel. Oh, pif paf, impeccable. Vas-y, mon Nico. Pour ton grand retour. Ah, il suit Catman avec RCZ. Pas bien avec RCZ aussi. Assa qui essaie de revenir. Va-t-il y arriver? Troisième. Eric qui suit encore. Eric, il est. Et ça y est, il va le passer. Il l'a placé. Comment ça va se passer dans la tête? C'est propre. Ah oui, c'est très propre. Et voilà, troisième Eric. Ah, j'avais jamais vu le tableau de bord de la New Beetle. C'est assez spécial. C'est pas mal. Pour ceux qui n'ont jamais vu, comme moi. Donc voilà, Eric est passé 3ème, à sa 4ème, il a perdu une place. 2ème Suisse, Thierry qui a été un peu largué là, dans le 6ème tour. Même bien largué. Sixième Loul toujours. Oh, Loul qui a plus d'essence. Oh là là.
Ou puis c'est Pierrot aussi qui a plus d'essence. Fabio qui fait fumer là. Romain qui a encore de l'essence. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Alain, c'est bon. Paul aussi. Fabrice, mais tout le monde a de l'essence sauf Lou. Alors je vais savoir ce que Lou l'a fait. Ah mais moi je viens de faire le plein. Dernier tour pour Nico. Et Nico qui va mettre un tour à... il rattrape encore Fred et il va lui mettre un deuxième tour je crois. Ah non, il va lui mettre un tour. Ça y est, Fred s'est mis sur le côté et Fred a pris un tour. Fred prend un tour aussi par par Eric. Bon, c'est bien. Voilà, troisième Eric, quatrième à Sarah tout le monde. Ouais, je crois que je suis le seul à avoir pris un tour. Voilà Thierry, Loul. Loul qui a mis un petit peu de carburant. Attention, ça c'est... Je vais rester sur... Je vais rester sur Nico. Qui va arriver là, qui est dans son dernier tour. Attends, je pense qu'il peut que gagner la course. Voilà. Ça va arriver tout juste. Bon, bah on n'a qu'une chose à dire, Nico, pour ton grand retour. Bravo. Champion. Ouais, formidable. Deuxième Catman. Troisième Assa suivi. Ah Assa qui a repris la troisième place suivi d'Eric. Thierry qui va prendre un tour à... Non, il n'a pas pu. Loul qui arrive, sixième. On va voir l'arrivée de Loul. Donc je trouve que ça s'est très bien passé. Il y a eu deux catégories mélangées. Sûrement à reproduire. Mais peut-être avec les qualifs. Bravo Loul. Pour faire le classement, un bon classement. Voilà, il reste 30 secondes. Donc on va regarder Fabio arriver. Fabio qui est suivi par Romain. Et moi, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Et je vais vous dire à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo IBRT. Merci à tous et à bientôt.